qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas dit du royaume des cieux. Au fait, Joël Grasso. Conduit tout ce programme, bénis chacun d'entre nous ce matin. Visite-nous, Seigneur divin. Nous voulons que tu nous délivres, nous voulons être restaurés par toi. Nous voulons que les cœurs se convertissent. Seigneur, merci de nous décharger, merci de nous guérir, merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus, que je prie. On dit amen. Amen. Vous connaissez un peu le sens de ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'en avant de prononcer une parole, il faut savoir ce que ça signifie. Dieu est bon. Dieu est bon. Vous savez ce que ça veut dire? Amen. Ça redonne tout. Ça résume tout. Bon parce que tu te réveilles en bonne santé. Pas tout comme tu as un souffle de vie. C'est déjà une grâce de Dieu. Ce matin, beaucoup sont ceux qui sont en train d'être conduits à la morgue. Toi, tu as le souffle de vie. Amen. C'est déjà une grâce. Amen. Ou d'autres sont en bonne santé,
même si on pense qu'il y a des difficultés, la santé, ça ne se monnaie pas, ça ne se paye pas. C'est déjà une grâce. Amen. 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 Donc Dieu, il est bon. Amen. Bon parce que ce n'est pas toi qui veux. C'est ça la bonté de Dieu. Malgré tes défauts, malgré ce que tu es, lui manifeste sa bonté à ton égard. Il ne tient pas compte de ce que tu es. Il ne tient pas compte de ce que tu fais. Il y a trop de causes dans les micros. Il ne tient pas compte de ce que tu fais, de ce que tu es. Dans la grâce, en français, la définition de la grâce, c'est un don immérité. C'est-à-dire que tu ne mérites pas. Et puis Dieu te fait cette grâce. Il dit tiens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si nous vivons, nous ne vivons pas grâce. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne vivons pas plus grâce. Alléluia. Amen. Nous marchons, ce n'est pas plus grâce. Amen. Combien de fois les sorciers tombent des pièges, comme des pièges d'aboutis pour manger les gens. Mais Dieu te fait déjouer le piège. Amen. Une fois ici, il y a une sorcière qui est venue, qui m'a tendu piège, m'a attrapé comme abouti, mangeait sauce graine, foutu banane nue. Il m'a fait déjouer le piège. Amen. Alléluia. Amen. C'est toute une grâce de Dieu. La protection de Dieu, c'est toute une grâce. Amen. Pas parce que tu es saint. Personne n'est saint. Amen. Mais nous craignons Dieu. C'est ça la différence. On ne peut pas être saint comme Dieu, mais on a la crainte de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on a la crainte de Dieu. On ne peut pas être saint comme lui, mais on a la crainte de Dieu. Donc c'est ce qui fait qu'on ne va pas dans les maraboutailles. C'est ce qui fait qu'on ne veut pas tuer notre prochain. Parce qu'on a la crainte de Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui permet que tu puisses croire en lui. La Bible déclare, nul ne peut venir en moi sans que le Père l'attire. La conversion d'une personne ne vient pas de toi. Ce n'est pas toi qui as voulu être chrétien. C'est Dieu. C'est une pure grâce. Dieu t'a seulement fait la grâce de croire en lui. C'est tout. C'est une grâce. Amen. Amen. Si d'autres personnes n'ont pas encore cru en lui, c'est que Dieu ne s'est pas encore révélé à eux. Qui règle un peu le micro, ça va beaucoup aider. Aujourd'hui, ça sera rythmé jusqu'à 18h. Amen. Amen. Nous allons rythmer ça jusqu'à 18h. On aura une pause tout à l'heure après la prédication. Nous allons prier et après ça, on aura des moments d'entretien. Quand on finit dehors, on va commencer à prier. Il faut que certaines choses se règlent. Dieu ne peut rien faire sans la prière. Amen. Pour que Dieu rentre en action, c'est que tu as prié. Amen. C'est tout. Il dit, invoque-moi. Je te répondrai. Il dit, tant qu'il n'y a pas eu d'invocation de Dieu, tu ne verras jamais Dieu te répondre. Amen. Dieu n'est pas malade. C'est quand tu l'appelles qu'il vient. Si tu ne l'appelles pas, c'est que tu te plais dans ton problème. Or, si tu te plais dans une affaire, quand Dieu veut t'arracher de cette affaire, c'est qu'il ne te fait plus du bien. C'est quand on en a marre, qu'on ne veut plus, on ne veut plus se voir dans ce problème qu'on invoque Dieu. Or, invocation de Dieu, là, c'est qu'on est, on est dans les chaînes. Prier Dieu et invoquer Dieu, c'est deux choses différentes en français. Amen. Amen. On invoque Dieu quand on est dans la détresse. On est dans la détresse. C'est-à-dire que tu as le dos au mur. Je prends un exemple. Tu vois deux lions. Il n'y a pas d'issue. Le mur. Dos au mur. Ce sont des personnes qui sont dans la détresse. C'est qu'on est dans la détresse, qu'on ne sait plus où mettre la tête. Tu es né à la mort. La médecine dit qu'elle ne peut pas, elle n'a pas le remède de cette maladie dont tu souffres. Il ne peut plus, parce que ton dernier recours, c'était le médecin. Le médecin dit qu'il ne peut plus. C'est en ce moment-là qu'on invoque le nom de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la maladie mystique. Il n'y a que Dieu seul qui peut vous délivrer d'une maladie mystique. Pas que tu le pries. Frère, la destinée, ce n'est pas de l'amusement. Si vous voyez quelqu'un qui a réussi dans sa vie, allez le saluer. Vous ne savez pas ce qu'il a traversé. Amen. Pour arriver au sommet, ils vont te tirer. Ils vont te vilipender. Ils vont t'insulter. Il y a toutes sortes de chemins. Vous pensez que la réussite, c'est non, c'est le matin, comme la cuillère, il y a le riz, la sauce, on mange facilement. Ah non, il y a tellement de choses.
Et le diable est là aussi. Parce que le diable sera le numéro un à t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Amen. Or, oh, c'est cela qu'on ne s'amuse pas avec la destinée. On ne joue pas avec ça, frère. Si quelqu'un veut jouer avec ta destinée, il faut la dévier de ton chemin. Non, enlève-le de ton chemin. Si on ne voyait plus de la même manière, c'est pour ça que David, Dieu a dit à Abraham, sépare-toi de Lot. Sépare-toi de lui. Et quand Abraham s'est séparé de Lot, le monsieur allait à Sodome. Sodome qui avait dit sodomiser. Toi, on t'en dit quitte. Tu vas à Sodome, où on sodomise les gens. Ça y est, toi-même, tu sodomises. Vous n'avez pas compris? Amen. Et puis, il est à l'aise là-bas. Donc, ça veut dire que le monsieur constitue un blocage dans la vie d'Abraham. Toi, tu te sépares ton oncle. Au lieu d'aller dans une ville comme Rivera, et à Cocody, tu vas à Sodome. Et tu es à l'aise là-bas. C'est comme tu vas dans un quartier où tout le monde braque, tout le monde drogue. Et toi, ça ne te dit rien, tu fais des années. Tu es un drogué. Parce que quand tu ne te sens pas à l'aise quelque part, tu es obligé de partir. Amen. La preuve, c'est quand les anges sont venus, les gens de la vie sont venus me dire, mais tu as eu deux personnes, on a vu des gens chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Donne-nous les gens. Il dit non, il y a des filles, il dit non, non, on veut les hommes. Ah, même les anges, les gens voulaient sodomiser les anges. Lisez la Bible, vous ne lisez pas la Bible? Ah, lisez la Bible. Les anges qui sont venus détruire Sodome et Gomorrhe, les gens les ont vus. Le monsieur, il vient, il discute, ils sont venus en grand nombre. Chacun veut passer chez un ange, chacun veut sodomiser. Ils ont eu un garçon. Et PD là, que Dieu vous délivre. Amen. Et PD là, Dieu n'a qu'à vous délivrer. La femme, elle est faite pour ça. Excusez-moi, je respecte trop les mamans. Amen. Amen. Mais la femme est faite pour l'homme. C'est pas l'homme. Puis tu allais embrasser ton camarade garçon. Et vous êtes dans le même lit, tu le caresses. Chérie. Eh mon Dieu. Nous-mêmes avant, quand tu dois être ton frère, il met ton pied sur toi. Tu te lèves pour dire, attention, quel cauchemar tu fais là. Faut pas me confondre avec ta chérie. Amen. Amen. Et vous, vous trouvez que c'est l'homme que vous devez coucher. Vous voyez, donc il y a des gens qui sont comme des lots dans votre vie. Ils sont comme des lots dans votre vie. Tant que vous ne séparez pas d'eux, il sera difficile d'entrer. Donc, sur le chemin de la réussite, il y a tout ça. Il y a des gens qui viennent s'ingérer dans votre vie. Sans le savoir, ils sont comme des parasites. Ils viennent bouffer votre temps pour rien. C'est cela que c'est aujourd'hui là, nous allons prier. Amen. Les hommes inutiles là, ils doivent tous tomber. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous mariez des gens qui viennent bouffer votre argent seulement. Ils ne sont pas prêts à vous faire avancer. Moi, je ne marche pas avec quelqu'un qui ne peut pas me faire avancer. Je suis désolé. Amen. Je suis désolé. Si tu penses que c'est difficile en temps, je te dis la vérité. Je marche à celui qui peut me faire avancer. Parce que la Bible dit que deux valent mieux que un. Quand on est en deux, en ça, c'est qu'on a la même vision. Si tu ne vois pas comme moi, dégage. Je marche pas toi. Vous marchez n'importe qui, vous font tomber. Vous n'avez que les yeux pour venir pleurer. Moi, j'ai compris la sorcellerie. On se dit bonjour, bonsoir. Si je constate que ce qui tu me dis bonjour n'a rien à voir avec l'intérieur, je me sépare de toi. C'est même pas un péché. La Bible dit, si ton bras gauche est pour toi une occasion de chute, il faut couper. La peur n'a pas défaut, mais il faut laisser. On dit, coupe ça. Et jette. Amen. Vaut mieux aller au manchot, au paradis, que d'aller les deux bras à l'enfer. Vous comprenez? Amen. Vous n'êtes pas plus sage que Dieu. Il y a la responsabilité de Dieu et il y a votre responsabilité. C'est pour ça que Dieu vous a donné l'intelligence et la sagesse et le discernement. Quelqu'un qui vient dans ta vie, vient faire pour faire, vient pour quoi? Donc ce soir, ce matin, nous allons prier pour que toutes ces personnes bizarres dégagent de notre vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Amen. Amen. Il faut que la maladie qui venait justement bloquer ta destinée
cette maladie, qu'elle dégage de ta vie. Amen. Qu'elle disparaît de ta vie. Parce que ça peut être un instrument pour freiner le long de ta marche vers ta destinée. La destinée, ça veut dire quoi? Ça veut dire destination. Il y a destination dedans. Dans la destinée, il y a destination. Tu pars d'un autre bout à un autre bout. On m'a bien saisi? Amen. Donc ça veut dire qu'on part quelque part. Et toi, où tu pars, où? Amen. Amen. Tu as un rêve. Et quelqu'un vient brouiller tes rêves. C'est ça qu'il fait. Ne marchez pas avec quelqu'un qui vient toujours te décourager. Quelqu'un qui a connu tes faiblesses avant, ne fais jamais avec, marche, chemin avec lui. Parce qu'il va te ramener toujours ton passé. On est des êtres humains. On peut avoir des moments de faiblesse, des moments difficiles, mais ça ne veut pas dire que c'est une fée en soi. Celui qui, qui a commis des erreurs peut être grand demain. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mépriser quelqu'un. Il ne faut pas que quelqu'un vienne me dire, mais c'est toi qui peux faire quelque chose. Non, tu peux. Tant qu'il y a le souffle, il y a de l'espoir. Amen. Amen. Beaucoup de dossiers devant l'Éternel. Moi, je ne marche pas n'importe qui. Si il dit tu es mon camarade, c'est que tu es vraiment mon camarade. Tu peux rentrer chez moi, on peut manger. Mais je peux te saluer. Je ne crois pas en toi. On peut se saluer, ça s'arrête là. Mais tu es géré dans ma vie. Tu ne rentres pas dans ma vie. Ne permettez pas n'importe qui. C'est pour ça qu'un être humain, chaque deux mois, pour ceux qui peuvent le faire, il se débarrasse, n'est-ce pas? C'est chaque fois. Mais oui, il faut le faire. Sinon, tu vas avoir un encore dans ton ventre. Au marché, les gens viennent causer vous. Facilement, comme ça, tu le vois dans le bus de ton camarade. Facilement, comme ça. Ah, il est gentil. Il est gentil comment? Non, parce qu'il t'a donné 500 francs pour payer ton ticket. Tu sais ce qu'il cherche? Amen. Il faut que Dieu fasse tomber les masques. Amen. Amen. On ne finit jamais de connaître l'homme. Amen. On le découvre. L'être même, on le découvre. Amen. Amen. Même dans les fiançailles, on se cache un peu. C'est dans marée là même, on voit vrai, vrai. Là. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Il faut que les masques tombent. Amen. Tu dois savoir celui avec qui tu marches. Celui qui dort dans le même lit avec toi, tu dois savoir qui il est. Sinon, il va manger tes triples. Elle trompe, elle va manger sa sauce, gimblé et placali. On a vu ça à Paris. Un monsieur, il a à Paris, lui, il mange le triple de sa femme, trompe et placali. Il mange à placali. Pendant qu'il est couché, elle dit, chérie, mon chéri, le gars, il fait placali. Il cherche gimblé au marché, dogadjougou. Elle va le tromper de sa femme, il mange ça. Pendant qu'elle dort. Au lieu d'aller chercher Polo. C'est les troncs de ta forme là que tu prends pour manger. Il y a craque pour mâcher. C'est les troncs de ta forme là que tu veux manger. Amen. C'est celui qui est près de toi là, qui est mieux placé pour te détruire en matière de sorcellerie. Amen. Amen. Vous êtes à la brigade anti-sorcier. Tu veux pas. Nous aussi, on marque les sorciers. C'est-à-dire, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu as franchi les limites, tu es rentré ici, c'est fini. Si tu es sorcier, c'est barré pour toi. C'est mal barré pour toi. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Tu as quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Amen. Nous levons tous les mains, nous allons prier, demander au Seigneur de nous bénir durant ce programme. Qui s'est levé à la chambre? Alléluia. Merci Jésus. Nous te prions ce matin. Nous te prions de te manifester. Alléluia. Merci. Et la gloire te revient. Merci Jésus. Merci parce que tu es bon. À la gloire. Merci Jésus. Alléluia. Shab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 a. Om Nashari on the priest. Bab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 a. All the shine of the praise, my God. All the praise, my the shine of the praise. All the barren shine of the praise, my kids.
Remarqué sans coche chez le monsieur là et chez la femme qui est juste à côté. Il y a des esprits en vous, bizarre. T'as compris? Oui. On va chasser ça un peu, d'accord? Ape, madame et maou. Ape, madame et maou. Madame et maou. I'm gonna
Salut quelqu'un, Dieu te salue. Quelqu'un, Jésus est merveilleux. Dis à quelqu'un, Jésus est merveilleux. Qui croit la puissance de Jésus? Qui croit la puissance de Jésus? Qui croit la puissance de Jésus? Pas digne du royaume des cieux. Amen. 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 Quand tu marches avec Jésus, ne regarde plus en arrière. Amen. C'est une question d'aller tout droit. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer Jésus? Yeah. Alléluia. Amen. Pour les Judas, Jésus a gagné. D'un grand maître comme Jésus, celui qui devient le traître. Ton ennemi n'est pas loin de toi. Les disciples, les gens avaient peur d'attraper Jésus. Il est resté tranquille.
Celui à qui je donnerai le baiser, c'est lui qui est Jésus. Amen. Amen. Faites attention à votre entourage. Ça n'est pas dit, on ne doit pas avoir d'amis. Je ne fais que reprendre la parole de Jésus qui nous interpelle sur la prudence. Jésus dit, soyez prudents comme les cèpes. Je ne sais pas pourquoi les gens n'enseignent pas ça. Jésus dit d'être amour, mais en même temps, il dit d'être prudent. Amen. Un homme prudent, c'est celui qui a le discernement. Alléluia. C'est vraiment très important. À cause de la sorcellerie, ayez un esprit très développé, le discernement. Sinon, vous êtes mal barré. Nos enfants ne sont plus à l'abri. Ils ne sont plus à l'abri. Commencez à regarder vos enfants pendant qu'ils dorment. Vous allez voir. S'ils commencent à parler seul pendant qu'ils dorment, mâche sa mâchoire, c'est qu'il a la chose dans lui. S'il a fini de mâcher les dents, c'est toi qui vas marcher demain. Il faut l'envoyer à la délivrance, on l'est délivré. Sinon, la sorcellerie commence d'abord dans la famille avant d'aller ailleurs. Amen. Amen. Personne n'est à l'abri de l'initiation. C'est la grâce de Dieu. Nous qui avons le Saint-Esprit, Dieu nous épargne. Amen. Amen. La sorcellerie, pour t'initier, il n'y a pas d'âge. Tu peux être vieille, on peut te donner la sorcellerie. Comme la dame là. Lui a donné la sorcellerie à son âge qu'elle a. Aujourd'hui, ils lui ont mis dedans. Et la sorcellerie, on ne demande pas ton avis. Ce n'est pas comme élection qui doit être président de la Côte d'Ivoire, va voter, choisir. Non! Un matin, celui qui veut t'initier, il t'étudie, il met sa stratégie en place, jusqu'à ce qu'il prend ton âme, il l'envoie dans la confrérie. Tu n'as plus de mots à dire, tu acceptes d'être dedans pour exécuter leur méchanceté. C'est ça que nous autres, quand nous sommes en face d'une personne qui a la sorcellerie, ça met beaucoup de compassion, qu'on écoute. Parce qu'elle n'a pas voulu, c'est pas parce qu'elle voulait sorcière qu'elle est sorcière. Au départ, les gens bien blâmer les gens. Qui veut être sorcière? Personne n'aime être sorcière. Personne n'aime la sorcellerie. Mais on peut t'initier pour gâter tes affaires. On peut t'initier pour aller gâter ta famille. On peut t'initier parce qu'on a envie de gâter la famille. Comme tu as un esprit faible. Parce que, écoutez, c'est cela que soyez très fort. Soyez très fort. Ne lâchez pas la fête de Dieu. Ne lâchez pas la prière. Le jour où vous allez commencer à vous faiblir dans la prière, vous allez voir le diable s'installer chez vous. On m'a bien saisi. Amen. Il n'est pas loin, ils sont juste à côté. Ils ont maintenant changé de stratégie. S'ils ne peuvent pas vous tuer la nuit, ils viennent maintenant physiquement. Ça veut dire dans les plats, ils peuvent vous donner même des poisons dans la nourriture. Pour ça, moi, quand je ne te connais pas, je ne mange pas chez toi. Pour avoir le chef bien le plus qui a le parfum le plus dangereux, qui peut faire sauter les narines. Je ne mange pas. Parce que le chef bien, il se fait sauter les narines. C'est quand tes narines, tu as envie de manger. Oh, c'est poison. Cadeau à poisonné. Eux-mêmes, quand ils veulent t'initier, ils commencent d'abord à travers le plat. C'est au travers du plat, quand tu finis de manger le plat, comme l'âme se trouve dans le sang, et la nourriture entre dans le sang, ils saisissent ton âme. Et puis, paf, ils sont partis avec. Que Dieu nous aide. Amen. On a beaucoup de choses à savoir sur la sorcellerie. Si nous savons qu'elle existe, ok, nous devons savoir comment elle fonctionne, ses stratégies, ses nouvelles stratégies. C'est comme ça, parce qu'elle est évolutive, la sorcellerie. C'est comme la technologie. La technologie, elle est très évolutive. Avant, on ne savait pas qu'on pouvait avoir portable ou appeler quelqu'un à Zaroko. Maintenant, tu paries, tu peux avoir quelqu'un à Zaroko. Maintenant, même, tu vois la personne où parler. Il y a WhatsApp. Il y a quoi qu'on appelle? Imo. Viber. Monsieur, c'est à Paris, oui. À Paris, ça va à Paris? Oui, vous voyez. Et maintenant, il y a tout. Donc, les gens préparent encore des choses. C'est comme la sorcellerie. Ils ont des stratégies. Comment vous suivre, comment vous contrôler, tout ça. C'est de ça que nous parlons dans notre ministère. Nous, c'est notre spécialité, vous éclairer un peu. Veuillez vous asseoir. Je vous ai fait debout parce que tout à l'heure, je serai le soleil debout. Voilà. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Aïe, 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 aïe,
De Dieu. Amen. C'est anti-biblique. Amen. Ils peuvent te combattre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. 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 Jérémie, le chapitre 1, le verset 18 dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, Amen. Car je serai avec toi pour te délivrer, oracle de l'Éternel. Ah, je suis combattu, mais c'est normal que tu sois combattu. Parce que c'est biblique, c'est pas anti-biblique. Si tu n'es pas combattu, c'est que le diable a pour ce que tu es. Ou bien tu es du camp du diable. Si tu n'es pas combattu par Satan, c'est que tu es enfant de Satan. Un enfant de Dieu est combattu. Mais le diable ne prendra pas le dessus sur lui. Non. Parce que c'est à nous qui appartient la victoire. David dit à Goliath, c'est à l'Éternel qui appartient la victoire. Tu vois avec tous ses amis, tu viens avec tous. Mais la victoire, ça appartient à Dieu. Vous allez démarrer le combat. Mais c'est toi qui vas gagner parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Il n'a qu'à les faire marcher, tombeau, aubergine, tomate frais, pour vouloir te manger. Mais ils seront mangés à ta place. Amen. Parce que chez nous, on dit l'ago Ozi. Il est grand. Ma peau. Yeta to wadi no la kala ko uso Mateo Yeta to wadi no la
Je donne la signification de ce chant. Amen. Amen. Nos parents croyaient aux Ziriwa, c'est-à-dire les féticheurs. Ziriwa, c'est les féticheurs. Ils croyaient beaucoup en eux. Et puis on a eu l'évangile qui a pénétré nos zones. Nos parents étaient tous des animistes, des gens d'idolâtres, des féticheurs, ils adoraient tout ça. Et quand ils ont expérimenté la puissance de Jésus-Christ, ils ont vu que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Amen. Amen. Et cette composition, c'est l'une de mes compositions. Amen. Jésus m'a délivré. Pendant que le sorcier avait mis apprécié au feu, j'étais sur les braises, on devait me manger banane apprécié et gnam. D'autres personnes disent, Mbo, je devais manger quand Jésus-Christ m'a délivré. Amen. Donc j'ai vu en Jésus-Christ celui qui délivre la puissance de Dieu. C'est en lui Jésus-Christ. Ce n'est pas chez les marabouts. Amen. Sur cette terre, dans ce monde, il n'a pas plus puissant que l'Éternel. Amen. Un sorcier, elle est pleine de sorciers qui m'ont lancé les deux filles à Guillou. On me lance les choses. J'ai dit, bien aimé, je l'ai dit au sorcier. Il y a une sorcière qui était venue dans une église à Guillou. En 2007. Je t'entends une pleine prédication. Je viens du Cap Vert. Il faut organiser un séminaire. Elle détruisait les églises dans la ville. Elle est venue au séminaire m'attaquer. Qu'elle est sortie de son corps. Elle s'est retrouvée à terre. L'œil doit être crevé. Son œil s'est cassé, ça s'est explosé devant tout le monde à l'église. Moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur par compassion. Par compassion, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? La fille. Et Dieu. Oh, c'est mon sorcier, ça. Elle me demande pardon. Mais elle fait quoi? Mais elle fait quoi? Et c'est moi qui t'a frappé. Elle demande pardon. Mais elle fait quoi? Moi, mais j'ai peur. Peut-être que les gens disent, mais le prophète l'a frappé. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça, les gens. On coupe ça, pas que on occupe. Et qu'est-ce qui se passe? Elle dit non. Je voulais. Je suis sorti de mon corps. Il y a. Quand il voulait t'attraper, il y a quelqu'un qui a pris l'épée, qui a piqué dans mon œil. Il dit, oh, il faut qu'il casse deuxième là encore. Il casse deuxième là. Yeah.
été guéri. C'est quand j'ai accepté Jésus, Jésus vit au Jésus-Christ vous délivre. Amen. Soyez bénis. Amen.